Pourquoi ce plat? En fait, le plat, il est né d'un jour où une dame qui s'appelle Emmanuelle Marie m'a amené ses Saint-Jacques, je pense que c'était la deuxième ou troisième fois, et je me suis aperçu que sur les Saint-Jacques, il y avait des algues. Il y avait une forte odeur d'algues, une forte odeur un peu marine, et du coup, on a créé ce plat autour de l'île des Chausées, parce qu'elle m'a beaucoup raconté aussi tout ce qu'on pouvait trouver comme algues, comme légumes aussi. C'est pas tout à fait sur l'île des Chausées, mais c'est juste en face. Et elle m'a aussi expliqué ce qu'il y avait comme herbe marine. Donc du coup, on a construit tout un plat autour de l'environnement de cette dame qui est formidable et de son mari qui pêche en mer tous les jours et qui apporte les Saint-Jacques et les homards deux fois par semaine à Paris. Et donc du coup, c'est une Saint-Jacques sur lequel on met naturellement des algues, parce que les algues sont sur la coquille, donc on met les algues sur la Saint-Jacques. On va mettre des poireaux crayons qui sont de la région, juste parce que le poireau aime bien ce côté un peu iodé, marin. Et on met un condiment d'algues avec du citron bergamote. Citron bergamote aussi a une effluve un peu iodée, et ça relève un peu ce goût d'algues. Et on va venir mettre des chips qu'on peut trouver, des chips d'algues qu'on peut trouver de partout, tout autour de l'île des Chausées. Et une tuile de pommes de terre un peu pour la gourmandise avec du beurre d'algues. Voilà, c'est un plat en hommage à ce superbe produit qui est le produit de saison, la Saint-Jacques. Nous, les cuisiniers, on a besoin de producteurs, on a besoin de ces gens qui nous font vivre et qui font vivre aussi les clients. Et du coup, je trouve que c'est de rendre hommage à tout le mal que peuvent se donner ces pêcheurs de petits bateaux dans une pêche sensible, dans une pêche raisonnée et aussi surtout pour faire valoir l'artisanat français de la pêche.